Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle découverte Game Pass sur PC, console et cloud du jeu Toem, promis à toutes et à tous pendant le live showcase que j'allais tester tous les jeux qui sortiraient sur le Game Pass, bien évidemment s'ils sont en français, et on va se retrouver directement pour découvrir ce jeu. Let's go. C'est vraiment stylé, j'aime bien le petit truc noir et blanc. J'aime bien découvrir tout simplement des nouveaux jeux pour que ça plaise à tout le monde et surtout pour essayer de voir si moi ça peut me plaire. Donc je connais pas le but du jeu, je sais pas ce qu'il faut faire. Alors eux pour interagir, le déplacement, donc mettez votre clavier en anglais ou sinon vous allez dans les paramètres pour changer. Donc interagir, qu'est-ce qu'il y a dedans? Objet obtenu, sac à dos, un outil indispensable pour voyager. Échappe. Ah, je peux interagir avec... avec la souris. Mais comment je fais là si je veux monter, admettons? C'est quoi ça? Apparemment c'est un lecteur cassette, on peut aller sur le lit, on a un petit miroir, c'est un cadre vide. Ah non, c'est un cadre vide. Vous ne pouvez pas placer de photos dans le cadre puisque vous n'avez pas d'album. Ok. Éteins la télé. Oh shit. Super, on sort. Alors, un nouveau morceau a été ajouté à votre Inkle machin, je sais pas quoi. C'est quoi ça, le Inkle, je sais pas quoi là, j'ai pas le temps de dire. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut? Regardez qu'est-ce qui est enfin sorti de sa chambre. Tu n'arrives pas à croire que le jour dont tu as tant rêvé soit enfin arrivé. Aujourd'hui, tu commences ton aventure pour voir le phénomène magique. Toem, comment tu te sens? J'ai hâte. Bien, tu me rappelles moi quand j'avais ton âge. Bref, je n'ai vu Toem qu'une seule fois au sommet de la montagne du Kirubeag. Je vais te montrer. Il y en a tellement de photos. Mais c'est celle-là que je voulais te montrer. C'est magnifique, non? Bon, ça suffit. Tu vas le voir par toi-même, pas la peine que je te le montre. Ceci étant dit, j'ai quelque chose pour toi. Objet obtenu, un appareil photo. Un appareil photo rétro avec un zoom dynamique. Je veux que ton aventure soit aussi chouette que la mienne. Et cet appareil photo m'a rendu de grands services. Et si tu prenais une photo? C'est C pour prendre une photo. Oh, d'accord. Espace pour prendre une photo, donc je peux zoomer. Délire. Voilà, enregistré dans l'album. Nickel, j'ai revenu. Il y a peut-être la statue à prendre en photo, non? Ah, je savais pas que je pouvais bouger la caméra. Donc admettons si je fais ça. Bah, bien sûr. Bien sûr, donc là si je fais ça, encadrer une photo, je peux mettre la photo de papy. Nice. Et je peux prendre des photos de toutes choses sur la pièce, donc c'est quand c'est encadré que c'est important. Sinon c'est que c'est pas important. D'accord, ok. Très intéressant comme jeu. Donc là on a quoi? Parce que là vrai de vrai... Ça, je sais pas à quoi ça sert. Ok, c'est pas grave. Bon, voyons cette photo. Ça alors, tu as un don. Enfin bref, sortons. Ok. Commencement, succès débloqué. Donc là, pour le moment, on n'a plus rien à faire. Il y a peut-être un livre ici à lire. Eh ben non, effectivement, non. Oh. Avant de pouvoir partir à l'aventure, il faut que tu aies un moyen de voyager. Ce monsieur va t'aider. Je t'attendrai juste là. Salut! Bienvenue en Land. Home sweet home. Tu as... entrepris une aventure, bien sûr monsieur. Génial. Le car est gratuit pour les gens qui aident la communauté. Et tu m'as l'air d'être du genre à aider ton prochain. Alors tiens, prends ça.
D'accord? J'ai rien fait du tout. C'est une carte communautaire. Ça sert à enregistrer les coups de main que tu donnes. Elle récupère des étoiles tampons pour pouvoir prendre le car gratuitement. Avec une étoile tampon, ton prochain trajet en car est offert. Et si tu veux en récupérer encore plus, ne te gêne surtout pas. Bonne chasse au tampon. Donc en gros, admettons, là on va avoir des petits défis. C'est une bêtise, on a une vache. Oh, on attendrait la petite vache. Oh là là, petite vaquette. Ah, des belotes. Là que le mec il dit qu'il va. Oh, il y a un cadeau là-bas. Bon, allez-y. Des sabots, l'idéal pour marcher sur les courtes distances. Attention, ça vous ralentira. Ok, donc non merci. Non merci, j'ai pas envie d'être ralenti moi. Hey, salut petit bout. Il paraît que tu parles aventure. J'ai un cadeau pour toi. Dans le temps, je marchais jamais sans eux. Quoi? Tu les as déjà trouvés? Bien joué. Ok. Toi, m'as-tu pris le grand aventure pour voir le phénomène? Toi, m'as-tu pris? Donc, je dois prendre des photos. Tu te rends compte qu'à la base, c'était juste deux blocs de bois. Et maintenant, ils vont t'accompagner dans ton voyage. Excellent. Donc, le petit vélo. J'ai regardé si je peux pas prendre des petites photos. Qu'est-ce qu'il nous veut lui? Alors, comme ça, il te faut des tampons pour rendre le car. Dans ce cas, je vais t'aider. Si tu prenais une jolie photo de moi, c'est quand tu veux. Prendre une photo. Ah, c'est mamie, c'est pas papy. Voilà. Un succès, Dulce Frogger. Ça marche. Donc il y a des petites photos à prendre un peu partout. Donc j'essaie de prendre la petite vache. Bouge pas la vache. Passe au middle. Replay. Nouvelle photo dans le... Dans l'album, tout simplement. Donc là, lui, on va lui faire un signe. Allez, c'est dans la boîte. On prend en photo tout le monde, nous. On est là pour ça. Et paf, le petit oiseau aussi. On en profite. Je pense que c'est un peu tout ça qu'il faut faire. Hein. Un petit arbre avec des petits oiseaux. Ok. Et eux, on va les zoomer. Bien les zoomer. Voilà. Petit caillou. Ok, pour le moment, je vais juste faire une chose, c'est m'éloigner. Comme ça, mamie, elle est bien avec sa petite maison. Voilà, je sais pas s'il y a une limite, mais bon. Là, on a quoi? Ah, c'est une pomme, ça. Ah non, c'est un cadeau, ça. Non, c'est une pomme. Attendez. Faut pas avoir le papier avec. Voilà. Je sais pas si ça va servir. Bonjour papy. Ok. Normalement j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre en photo, hein, à mon avis. Donc, je vais aller voir la mamie. Voyons un peu cette photo de moi. Elle est où? Où est-elle? Ah. Oh non, d'un petit bonhomme. Je suis magnifique. Et j'ai l'air jeune par-dessus le marché. Pour te remercier, je te donne un tampon. Et voilà. Toi et Mathieu pris la grande aventure pour voir le phénomène. A plus tard. Prends bien soin de toi, petit. Peut-être des cadeaux cachés par le monde. Ouvre l'œil. Bien évidemment que j'ai ouvert l'œil. Par contre, je sais pas s'il y a d'autres choses à faire. Maintenant, la petite vache. Ok. Ah, je peux zoomer et dézoomer.
Eh mais ça non plus, je le savais pas. Et là, on a un petit truc, c'est quoi ça? Attends, le quart. Non, pas encore. Salut! Voyons combien de tampons tu as, voyons ça. Tu en as assez pour tampons pour partir en quart. Je vais justement mettre ta carte à jour. Ok. J'ai tamponné ta carte, tu as mon approbation. Tu peux prendre le quart jusqu'à la raison suivante, c'est gratuit. Mais c'est bizarre ça quand même. Parce qu'il manque quelque chose quand même, non? Il manque un tampon, mais bon, on va pas tarder ici, hein, ça sert à rien. Hein. Bien sûr que je vais attendre quelque... Où veux-tu aller? Bah, ici, monsieur. Bon voyage. Attends! Bon, on dirait que ça y est. Ton grand voyage est sur le point de commencer. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Prends soin de toi. Je t'attendrai à la maison. C'est sympa, hein, vous voyez? J'aurais juste à regarder que c'était en noir et blanc et que c'était un jeu un peu... On dirait un petit jeu chelou, en fait, à l'origine, quand tu regardes les images. En fait, je kiffe, hein. Oh, Claville. Alors, du coup, on a des autres bébêtes. T'as l'impression de jouer à Pokémon Snap, en vrai. Voilà. Ok. Comment je vais pouvoir le prendre en photo lui sans qu'il me... C'est pas grave. Alors, du coup, le petit bonhomme, qu'est-ce qu'il nous veut? Je sais qu'il y a des boules de coton pas très loin d'ici. Des boules de coton. Ah, là-bas. Pensez à la propreté de notre communauté. Et si je prenais les boules en photo? Les boules de coton. Je sais qu'il y a des boules de coton pas très loin. Bah ouais, mais... Comment que tu veux que je les prenne, les boules de coton, mon ami? T'es un peu comique, non? Alors, salut toi, bienvenue à Oaklaville. Un havre de paix pour les habitants de la forêt. Il y a tout un tas de trucs géniaux ici. Maintenant j'espère, reviens me voir quand tu auras assez de tampons. 7 tampons pour revenir, ok. Ok, ok, allez, let's go. Un nouveau morceau a été ajouté à votre Kick Lady. Ok, le Kick Lady. Ah, on a des nouvelles bébêtes. Je viens de les voir tout de suite. Nice. Bonjour, madame. Wow, c'est quoi ça? Ah, c'est des scarabées. Insane. Alors... Wow! Nous sommes la guilde des défis photographie. On est là pour le progrès, les meilleurs défis photographie. Tu es d'attaque pour relever les défis photographie? Bah bien sûr! Génial! J'ai ajouté le défi à ta carte, ça va être un peu corsé. Bonne chance! Ok, défi photo numéro 2. Prenez une bonne photo d'un DJ. C'est l'heure de la photosynthèse. Et il paraît qu'il y a des soldats dans le coin apparemment. Ils sont tout petits. Ok. Oh, il y a un petit singe. Vas-y, une petite pirouette. Allez, une petite pirouette. À l'envers, mon coco. Et maintenant... On prend, on ne sait jamais s'il nous demande. Ok, donc là c'est rien. Oh, il y a un cadeau là-bas.
Non, Mou, ce n'est pas gentil de montrer du doigt. Ok, qu'est-ce qu'il veut notre monsieur? Ah, ça perd les popettes, j'ai une poisse de pas possible. Je suis allé nager dans la mare et puis j'ai mis mes chaussettes à sécher. Et maintenant, mes chaussettes préférées a disparu. C'est bien ma veine, ça. Ah. Ok, une chaussette qui a disparu, monsieur. Donc là, par contre, on a un ami. Bonjour! Si j'ai pas gagné le défi photo, je comprends plus rien. Donc il y a une chaussette qui a disparu, monsieur. Hein, c'est quoi ça? Il essaie de faire la course. Tu peux le faire. Allez, interaction. Qu'est-ce qu'il veut faire ici? Ah, donc du coup, tu peux prendre des photos ici aussi? Ok. Bon, on le met dans l'inventaire, on ne sait jamais. Donc on va sortir. Sa chaussette préférée, je sais pas où il l'a mis, monsieur. Mais... là, il est un peu comique. Ok. Donc du coup... en fait, quand il nous voit, c'est mort, quoi. Faut vraiment pas qu'il nous voit. Il a pas l'air d'être très commode, lui. Hey, tu as entendu parler des monstres cachés? Non. Oh, vraiment, il y a des monstres partout. Ils sont doués pour se planquer. Mais pas de bol pour eux, ils empestent tellement qu'on voit l'odeur. Si je tombe sur ces monstres, j'adorerais voir les photos. Repasse me voir pour les montrer... tes trouvailles. Ok, fan de monstres, ça marche. Oh, le petit chat. Oh, le bébé minou. Zzz. Miam miam. Ok. Ping. Wow, pardon, je me suis vraiment épuisé. Bienvenue à l'hôtel WAC. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Attends, tu as un appareil photo? Oh, on a vraiment besoin de renouveler notre marketing. Ce serait super d'avoir une belle photo de l'hôtel. Une où tu verras tout le bâtiment. Bien entendu, c'est un travail rémunéré. Allez, on va prendre la petite photo. Voilà. Voilà, monsieur. La photo a été prise. Alors, comment ça s'est passé? Tu as pris une photo de l'hôtel? Bien sûr, pas de doute. C'est bien mon hôtel, mais ça a peut-être été pris un peu trop près, non? Je me sens... ok, d'accord. Je sais, il y a un endroit pas loin d'ici où on a une belle vue. Suis la pancarte en sortant de l'hôtel et te mèneront au sommet. Ok. Elles me mèneront au sommet, mais quelle pancarte? Ah, la pancarte là, ok. Là par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Ah, je suis pas obligé d'être à côté de quelque chose pour avoir la mission ou quoi? Ah ouais, je peux aller autre part et revenir. Oh, les petits enfants. Je les prends en photo au cas où. Et si on n'a pas de bestioles, non. Là non plus, ah. Peut-être une petite hache. En fait, je prends plein de photos comme ça, si on a besoin pour les... ah, il y a un cadeau là-bas, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça? What the hell? Caillou magique. Le délire. Gentil toutou, mais c'est un caillou. What the hell, man? Pensez à la propreté, bien sûr.
Bienvenue au camp de Flazrabrarana. Ok, moi je suis le chef de notre petite troupe. Et sans vouloir me vanter, j'ai fait un bon boulot. Tu as l'air d'être quelqu'un de serviable. Tu ne voudrais pas devenir scout? Bah vas-y. Yokaidi. C'est une super nouvelle. Je vais te donner ta première mission. Mais d'abord, hey, la troupe, assemblement. Oh, Dan. Ah ouais, c'est les petits. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Mais ne vous inquiétez pas. On est une troupe. Et dans une troupe, on s'entraîne toujours, quoi qu'il arrive. Notre mission actuelle, c'est de finir notre livre de cuisine illustrée. Notre nouvelle recrue va nous apporter des clichés manquants et prouver par la même qu'elle est digne d'intégrer notre troupe. Vous pouvez disposer. Ok, devenir scout. Seul un véritable scout pourra accomplir la tâche. Champ, boule de coton, champ pipaillé. Chardon pavé. Boule de coton et chapeau paillé. Te revoilà, quoi de neuf? Et j'ai une photo. Attends. Boule de coton. Oh, tu as trouvé les boules de coton. Sucré, c'est un mal au ventre si on en mange de trop. Crois-moi, c'est du vécu. Enfin, cette photo est géniale. Et il nous avait dit quoi encore? Un chardon pavé? Peut-être ça. Un chardon pavé. Chardon pavé. C'est quoi un chardon? Bon, ça on le fera un peu plus tard. On va aller à la pancarte que monsieur nous a demandé avant. Ok, nous sommes la guilde des défis photographiques. Et elle est là pour te proposer les meilleurs défis photographiques. Tu es d'attaque pour relever les défis photographiques? Bien sûr. Super, j'ai ajouté le défi à ta carte. Bonne chance. Donc en gros, là, pierre couverte de mousse, sapin, hache. Ok. Donc, j'avais pas fait gaffe, ça. Hop là. Une hache. Maintenant. C'est un beau sapin. Et ensuite. Et ensuite, il y avait quoi d'autre? Pierre couverte de mousse. Une pierre couverte de mousse. Je sais pas si c'est une pierre couverte de mousse, ça. Ça me paraît couverte de quelque chose. Ah bah oui, bien joué. Voilà, défi réussi. On a un nouveau tampon, nice. On dirait que tu as vraiment une photo dans le sang. Merci beaucoup. Oh, un trépied. Les mettre en scène dans des situations intéressantes, ça te ferait des clichés super cons. Ok. Donc là. Hey! Et la besaille, tu pourras me donner un petit coup de pouce, un petit coup de main? Ouais. On enquête sur une personne louche. Et ses activités, d'après les témoins, la cible ressemble plus ou moins à ça. D'accord. Si tu vois le personnage, apporte-moi sa photo, d'accord? Ok, donc attendez, là, il y a peut-être des bébêtes. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais il nous veut quoi, lui? Hey, tu veux m'aider à déplacer cette bûche? Ah, j'apprécie ton enthousiasme, mais Biscotto ne souffriront pas. Trouve mes trois frères, ils sont costauds. Par contre, ils sont très timides. Essaye de les fixer avec un appareil photo. Ok, ces trois frères, je les ai trouvés, lui. Oh, il y a des fourmis.
délire, j'avais pas vu. Je n'avais point vu. Ah, un coccinels. C'est excellent ça comme jeu en vrai. C'est vraiment un truc. Te revoilà quoi de neuf, j'ai une photo. C'était quoi lui qui voulait? Attendez que je regarde un peu. Chardon pavé. Et champis rayé. C'est quoi des champis rayés, des chardons pavés? Je ne sais pas du tout. On va aller là. Ah là! Voilà. On prend des photos de tout. Oh! Eh, hey, y a un truc là. Le petit monstre, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des champiriers déjà. Ah, il est là-bas. Bouge-toi. Ok, donc en gros, si je veux là, je peux, bien sûr, si j'ai compris, prendre dans mon sac, j'ai un trépied. Ah, le délire, bah oui. Le bad. Devenir une fleur. Excellent. Excellent. Pour le coup. Et je vais aller voir là-bas vite fait. Bon, ça on ira plus tard parce que là, il va y avoir trop de choses à faire. Donc attends. Trépied. Ah, je peux faire clic gauche. Clic droit pour faire le trépied, d'accord. C'est trop bien foutu, j'avais pas fait gaffe ça. C'est mettre pas de didacticiel, donc du coup, tu dois tout découvrir par toi-même. Ah, je l'avais pas vu, lui. Malin, mon petit bonhomme. Je sais pas c'est quoi un chardon pavé. Je ne savais pas c'était quoi un chardon pavé, autant pour moi. Maintenant, je le sais. Donc, je pense que j'en ai trouvé quelque part. J'ai regardé dans les photos que j'ai prises au début. Là. Pardon. Champignon rayé. Merci pour la photo. Et maintenant, un chardon pavé, c'est des petites fleurs. Donc, je ne sais pas si ça... ça sert à quelque chose, mais bon. Ah ouais, non, lui, il faut lui ramener des trucs, c'est vrai. Pour l'instant, je peux pas. Des chardons. Lui, sa chaussette, bah,
On sait pas où c'est. C'est pas ça. On va aller tout à gauche là-bas. Oh, il y a un petit squirrel. C'est bizarre ce fantôme là. Ça va être pour une mission aussi. Chardon, j'ai pas de chardon ici. Ah, c'est là le poste. Nouveau morceau a été ajouté à votre machin. Ok, donc alors, salut. Je veux jouer à cache-cache avec mes amis. Non, pas maintenant. Je vais monter là parce que... Il y a le monsieur là-bas. Voilà. Super. Vas-y, on va faire un petit cache-cache, monsieur. Ok, va dans cette tour et essaie de trouver mes amis. Il y en a combien ? Alors, comment tu as su que j'étais là ? Bah, c'est voyant. Voilà, j'étais immobile, complètement immobile. Comment as-tu pu me voir ? Bah, t'es pas un mur, hein. C'est un jeu assez simple, hein, et franchement, c'est pas dégueu du tout, hein. Attends, il avait un... Oh, je l'avais pas vu, lui, par contre. Waouh ! Ah, lui, il était carrément planqué au-dessus de l'arbre, je l'avais même pas vu. Tu as trouvé tout le monde. J'ai un talent fou pour le cache-cache. Merci beaucoup. Plus que 4. Oh, le petit toutou. Ah ! Vous allez me faire péter les plombs. Je me barre. C'est qui ça? Toi, prends ça. Une lunette de fantôme. Flippant et cassé. Vous pouvez parler au fantôme. Oh. Ça me permet de voir les fantômes. Quand tu vois, ils sont plutôt énervants. Mes lunettes sont, sont classe au moins. Ok. Tu pourrais m'aider à savoir à quoi je ressemble avant? Je ne suis pas sûr, mais on m'a dit que j'étais une créature magnifique. Et fière d'estrier ou un truc du genre. Ah, t'étais un chien. Tu étais un chien, mon ami, je crois. Allez, découvrir qui j'étais. Bien sûr. Tu étais in the dog. Ah non, bah c'est pas un chien alors. Ah mince, bah c'était quoi alors? Ah, je ne comprends pas. J'ai déjà fait toutes mes corvées quand j'étais en vie. Les fantômes pourraient avoir droit à un peu de repos, non? Les fantômes font des tas de choses sans rien demander à personne. Il est temps que quelqu'un nous aide pour une fois. Bah t'aider à quoi? Eh, t'es à quoi? J'en sais rien, moi. Il veut que je l'aide, mais je ne sais pas pourquoi. Oh! Un petit zozio! Oh, chouette!
Je sais pas à quoi tu pourrais ressembler, mon pote, vraiment. Le petit chien, viens là, mon petit minou. Mon petit tutuse. À quoi il pourrait ressembler, lui? Mais attends, mais j'ai déjà pris en photo, je crois, des trucs, donc... Non, ça peut pas être moi. Les animaux... Qu'est-ce qu'il pourrait être, lui? Ah, c'est peut-être une... un chat, alors. Bah mince. Et j'ai que ça. Bon bah je sais pas qu'est-ce que t'es, mais on le verra sûrement plus tard. Donc on a une photo à mettre à quelqu'un. Donc là lui, du coup il va avoir un objectif. Ah, hey, c'est sympa les lunettes. Tu veux jouer à un bono chaussette? On mélange. Ok. Voilà, on a trouvé. Tu as réussi. Chaussettes mouillées. Ces chaussettes sont encore trempées. Ah, c'est les chaussettes du mec. Maintenant que j'ai plus de chaussettes, comment je vais faire? Je sais, je vais rehausser la difficulté. Reviens quand tu auras envie de rejouer. Allez, vas-y. Tu veux rejouer au bonnet caillou. On mélange. Voilà. T'assures vraiment? Et maintenant, qu'est-ce que tu vas y arriver? Ok. Allez, go. Je t'ai pisté, mon pote. Waouh, tu assures vraiment? Et maintenant, est-ce que tu vas y arriver? Waouh, ça va être compliqué, là. Vous l'avez vu, maman? Oui. J'arrive pas à y croire que tu as réussi, tu as vraiment l'œil, toi. Waouh. Oh, la plante. Ouah, nickel. Bah, je crois que c'est la plante, du coup. Ah bah ouais. C'est la plante que le gamin nous avait demandé. Trop bien. Waouh. Eh, franchement, c'est vraiment intéressant. Ce jeu est vraiment intéressant, mais pas qu'un peu. Donc, qu'est-ce qu'elle nous voulait comme photo, elle, déjà? Attends, ouais, parce que j'ai pas vu ce qu'elle voulait comme photo, du coup. Chardon pavé. Frère endormi. Frère insolent. Frère taré. Cette activité suspect, fan de monstres. Feuilly, Lochi, Clac. Hein? Vie de paparazzi, la beauté. Alors, prenez une bonne photo d'un DJ. Besoin d'une image promotionnelle. Ok. Ok, donc normalement, il y a un monstre. Je sais plus c'est qui nous avait dit qu'il y avait un monstre, mais c'est pas grave, on va le faire. Lui, on a pris sa chaussette, j'arrive pas à croire que tu les aies trouvés. Attends, il y en a deux? J'en ai perdu qu'une, moi. Tu peux garder l'autre. Vous voyez, et elle ne sent pas très bon. Tout le monde sera content. Olé. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il nous en manque plus que deux. Maintenant, le truc, c'est qu'il faudrait vraiment... Alors normalement on le voit entier, non? Qu'est-ce qu'il me raconte lui qu'on le voit pas entier? Comment ça s'est passé? Tu as pris une photo de l'hôtel? Bah bien sûr.
Allez là. Ça a peut-être pris un peu trop près, non? Ah, mais il m'embête. Il m'embête. Lui, il voulait une photo du monstre. Il voulait une photo du monstre. Là. Il se cache à fin fond des bois. Il a peur de tout. C'est feuilli. Belle trouvaille. Ok. Oh, j'ai même pas eu de... Ah ouais, d'accord. Par contre, il y a un ascenseur ici. Donc, il faut que je suive le panneau. Mais avant ça, il faut que je prenne des photos de bébêtes. Donc, on en a un là. Mais qu'est-ce que tu regardes? Ton frère galère. Mon frère a besoin de moi? Lequel? Je crois que je sais. J'y vais. Ok. Ton frère en galère, donc va, s'il te plaît. Ah, attends, faut que je lui donne la plante à lui. C'est vraiment trop bien comme jeu. J'ai une photo. Comment ça, tu vois aucun ingrédient? T'es foncé ou quoi, frère? Bon bah y a pas de chardon lui. On va aller là-bas. Ah la balançoire. Oli. La photo d'un DJ. Allez monsieur, voyons, tu es swag avec une lunette. Ça va, tu es suffisamment swag, tu peux entrer. Oh, disco. La beauté d'hôtel. Fan de Fatal d'origine, ok, on va parler à tout le monde, peut-être qu'on va avoir un petit succès. Les musiques et tout sont stylées, vrai de vrai. C'est bizarre quand même, est-ce que je peux les voir les photos du coup? Attendez, parce que là, album. Est-ce qu'on a des étoiles à côté des photos Ok. Et ça, c'est peut-être ça qui se prend en photo, non? Ça m'étonnerait, mais bon. Ça m'étonnerait, mais bon. La petite glissade, s'il vous plaît. Youhou, pinaise. Eh bien, attends, il y a peut-être quelque chose ici. Si, c'est une photo de moi en fleur qu'il fallait. Peut-être ça. Bah non. Ok, je vais suivre le panneau. Ah non, mais il y a ses frères, c'est vrai. Ils sont ses frères. Ceux-là, normalement, il n'y a pas.
Et elle voulait quoi déjà? Ah oui, elle voulait une photo du Didier. Je ne vois rien. Bah. Mais qu'est-ce qu'elle voulait, elle? Frère, un soin, faire travail, armée minuscule. Ah ouais, c'est une armée minuscule. Ok, attends. C'est pas... des fourmis qu'elle voulait, elle? Ah, voilà. J'en étais pas si sûr, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a 7. Mais j'aimerais bien trouver les frères quand même, parce que bah, c'est important, du coup. Essayer d'en faire un max, ce serait nice. C'est de où qu'on doit prendre l'hôtel, là, du coup? Je pense qu'il faut aider les frères avant de prendre. Lui, il faut que je vois à quoi il ressemblait. Hein. C'était peut-être un singe. Non, ça peut pas être lui. Là, on avait un écureuil. Attends, c'est quoi son défi, lui? Ça se peut qu'il me le dise dans les quêtes. Fantômes surmontés. Pourquoi les fantômes seraient-ils obligés de tout faire? Il est temps de les aider. Il doit bien avoir un restreint quelque part. Un destrier. L'hôtel a besoin... Non. Pour le moment, mon pote... vraiment, comment tu veux que je sache? Bon, j'ai trouvé mon calme. Tu m'excuses, hein. Tu peux garder les lunettes. Donc, je trouve plus les frères. Il y en avait plusieurs, mais... Je ne les trouve plus. Ah, il y en a là. Voilà, monsieur. Ton frère galère. Ok, ok, ok. Et normalement, on en avait un troisième. Mais où est-il? Mais où hésite? Ah, je sais, il est à l'intérieur. Je l'ai vu en plus, je l'ai pas pris en photo. Voilà, juste histoire de réussir à faire un maximum. Voilà, t'en fais un galère, tu vois le même cinéma. Et là, on est good normalement. On va pouvoir aller bouger le bout de bois. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Ah ouais, lui, il avait besoin de la photo du monstre. Du mec. Du mec bizarre, il est où le mec bizarre déjà? Oh mince. Mais il est où? Ah, il est là. Voilà, merci la besaille. Ok, nice. Il y a 15 tampons ici à faire. Ok, bah je vais juste faire ce que j'ai vu là. L'autre, j'arrive pas de toute façon. Donc voilà, ils sont là. Nickel. Et hey, beau boulot. Mes frères sont là. On est prêts à envoyer le bois. Et là, on va peut-être trouver le chardon pavé. À mon avis. Ah, les v'là, les chardons. Je m'en suis douté.
alors moi on en a. Qu'est-ce qu'elle veut elle? Chardon pavé. Ah bah c'est ça. Ok, là t'as un poste de photo et là maintenant il veut quoi? Ah, ça va bien? Hein? Non, ça va. J'ai juste que j'ai un gros. J'en ai gros en ce moment. En venant ici, j'espère me reposer un peu. Mes collègues sont en train de me ronger ma santé mentale. Ah, ça va aller. Ouais, probablement. Tu sais quoi? J'ai retrouvé ma motivation. Je vais retourner au restaurant. Je gère. Merci pour la conversation. À la revoyure. Ok. Le voilà à l'hôtel. Voilà. Succès déverrouillé. C'est insane ça, dis donc. On a, normalement, on a pratiquement tout, hein. Lui, c'est fait, lui, c'est fait, lui... J'ai la photo, hop là, merci beaucoup. Ah, déjà, attends, pavé, il m'a manqué. C'est tout ce qui reste à la liste. Merci pour ton aide. Désormais, tu membres à part entière de la troupe de... Let's to go. Oh. Bien sûr. Mon petit tampon, merci. Bim. Thank you very much. Thank you very much, pardon. Les DJ, c'était qui déjà qui voulait le DJ? Il y a quelqu'un qui voulait une photo du DJ, mais je sais plus c'est qui. Ok, fantôme surmonté, fière, beauté. D'accord. Voilà ta photo de ton hôtel, toi. Tu es bonhomme, cette photo est fantastique. Je vais. Ok. Nice. Pour te remercier, voici un tampon. Paf. Merci beaucoup. Ah, il veut quoi, lui, maintenant? Hein? Ah, c'est toi? Merci d'avoir discuté avec moi, j'avais besoin de ça. Les restaurants marchent à nouveau du tonnerre. D'ailleurs, en parlant de ça, on dirait que le restaurant descend. Oh! Si tu fais pas tout, tu découvres pas d'autres choses. Casser la croûte à l'intérieur, vas-y, viens, on va les voir. Hein. On est là pour découvrir, les amis. Ok. Oh, trop fort, tu as réussi. Bienvenue au restaurant. J'ai du mal à réaliser ce que c'est vraiment. C'est vrai. Enfin bref, j'ai trouvé ça. Une cassette. Je n'écoute plus cette cassette, moi. Bon, à plus. Alors, du coup, si c'est ça... Ah, c'est toutes des musiques que tu peux mettre pendant le jeu. Ok. Mais c'est nice ça en vrai. Ah mais c'est à ça qui ressemblait. D'accord, je viens de comprendre. Oh man, c'était le cadre. Oh je suis bête. Bah, il faut le savoir aussi, ils sont rigolos, eux. Ça, c'est fait. Par contre, lui, avec son ménage, là, je comprends pas trop ce qu'il veut. Je regarde quand même les choses que j'ai pas vues. Bien sûr que j'ai découvert, regarde, bam. Waouh, je suis magnifique. Et encore deux. La créature se cache dans les profondeurs des égouts, se cache au fin fond de la montagne, se cache dans la mer. Ok. Ah
Ah, qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Ah, les fantômes font des tas de choses sans rien demander à personne. Il est temps que quelqu'un nous aide pour une fois. Mais t'es d'affaire quoi, mon pote? Il est marrant, lui, non? Ah, allumer la télé, peut-être? Ah, les fantômes font des tas de choses. Mais attends. Ok. Compris ce qu'il veut, lui. Pas trop compris ce qu'il veut, lui. Mais il veut faire quoi? Je comprends pas. Par contre, ouais, il y a peut-être un truc. Attendez, il y a peut-être un truc. Je suis pas si sûr, mais... Donc là, normalement, j'ai des chaussons et un gant. Si j'enlève les lunettes. Bon bah j'en sais rien du tout. Il doit avoir un truc à faire avec l'antenne, je pense. Bon bah je ne sais pas. I don't know. Belle, ok. Oui. Salut, voyons combien de tampons tu as dans ça. Tu as passé. Tu as assez de tampons pour prendre le quart. Je vais juste mettre ta carte à jour. Nice. Pourquoi les fantômes seraient-ils obligés de tout faire? Il est temps de les aider. Ok, ton tampon à la carte a mon approbation. Tu peux prendre le quart jusqu'à la raison suivante. Bon. Bref. Les amis, on a fait un bon petit, une bonne petite découverte. J'ai pas réussi à décoller parce que ce jeu est vraiment pas dégueu. Et on n'a pas réussi à trouver ce que voulait le fantôme pour l'aider.
malheureusement, donc au cas où, on découvrira ça par la suite, mais pour l'instant, ça restera un gameplay découverte du Game Pass. Donc encore une fois, si vous voulez avoir des let's play sur ce jeu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, aimer, commenter, partager, c'est gratuit, ça coûte rien, ça donne la force. Dans la description, vous aurez tous mes réseaux sociaux, plus il y aura de commentaires, plus il y aura de likes, et plus je pourrai bien évidemment mettre le jeu entre deux pour faire une suite de let's play. Donc objectif 20 likes, bien évidemment. Je vous dis à la fois prochaine, peace.